Ah, il faut faire G apparemment pour le C4, on me dit. Bah, je sais pas si tu l'as en fait. Mais moi je l'avais pris. Là j'aurais pu sur G. Ouais, sûrement. Dégage de là, Nikos. Ça passe. It's a 1v1 situation. Non mais what the fuck, regarde. Ouais. Elle est contrôlée. On est parti, chrono de 60 secondes pour trouver le plus de mots possible. Concentre-toi. Tu joues avec Squeezie, c'est parti. Neige. Ski. Flo. C'est du 1 contre 3 pour qui là? C'est le mec. Ah, c'est Aviateur avec nous là. Vous non, ne pas. Oh putain, Mika, vas-y. Oh le gun. Oh mec, t'as mis double headshot. Il arrive en face. Tu le démontes. Le 1v3 peut-être pour Mikalo. Va-t-il pouvoir le faire avec son bouclier de Morse? Et boum! Oh mon gars! Mets-toi tout nu, je te tire par terre. Mets-toi tout nu! You wanna stay alive, remove your fucking pants! Oh putain, toujours on va te laver. Je vais rentrer un. Allons-y, comment s'appellent les habitants de la ville de Grasse dans les Alpes-Maritimes? Les gros. Grasse Kelly. Oh 1, 2, 3, 4. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secoue le bas des rats. Bon, capture le roi. Voilà, il s'avoue vaincu en ne voulant pas faire son sport. Moi, ça va plus là, il prend des risques, Mika. Les gars, faut que je parte. Il prend des risques. T'as battu ou pas? Est-ce que tu tuerais pas à la mollo? Nique la grenade, mec. Il est vraiment derrière. Ouais, il est là, il est là. Plus mollo que grenade, je pense. Oh oh. Boum. Allez, moins 1. Oh c'est pas une blague, hein. Zulu est vraiment. Je suis pas grand prématuré, mais 7 mois de grossesse quand même. Ah, quand même, hein. Il manque un petit bout. Bah voilà, il te manque 2 mois sur le fond. C'est ça. C'est incroyable. Mais il s'est développé normalement. Bien prématuré. Pardon ? Il s'est développé normalement, enfin je dirais, il a pas de. Zulu ? La blague est avortée, mais la blague. C'est une blague en vidéo. On va me punir. On va me punir. Vas-y, hey, sors ton snipe, défonce-le. Sors ton snipe. Zonk. Ah, me tire pas dessus. Oh, oh, the Flames Monster. Normalement, tu peux sauter, bro. Mais je sais plus comment on se met à l'envers. C'est, fais ton rappel, tu vas te mettre à l'envers. Voilà, bah tiens, regarde comment tu dois te mettre à l'envers. Je vais sursauter. Là, il arrive, il se décale. Là, il y a sa tête. Fais gaffe. Attends, et si j'appuie sur X, ça stun, non? Vous êtes prêts? Non, ça stun pas. Oh putain, il m'a envoyé un. Il est là. J'ai pris de ses cartes. Ah, il est pas bon, il se met à l'envers. Il connaît un endroit sur la map. Ouais, c'est ça, il connaît quoi, mais. Oh non. Regarde, les autres là, c'est la débordance. C'est Ratus. Oh, j'ai entendu ça. Oh oui, t'inquiète, tu vas s'en charger. Oh bah. Je shoot mon pote. Oh putain. Mec, il dit, il voit des vaches éclater et tout, il dit pas c'est dégueu et là. Ah, faut ouvrir la fenêtre. Putain, merde. Elle est au prix de 1€ alors que sur mon site je la vends à 20€. Et en plus, je vous donne et le lot de 6 assiettes gratuites et offertes, messieurs dames, c'est pour vous tout de suite, maintenant. La toi, fourchette, tu devrais te présenter. Il est fort, il vend de la saucisse. Il en vend bien de la saucisse. Mais c'est je vous prouve qu'elle fonctionne. Regardez cette saucisse, justement, et ça pique. C'est ça, c'est la petite fourchette mixeuse, tu sais, genre. Non, par contre, faut que ça reste court. On y va, on enchaîne avec. C'est pété? Ouais. Oh non. Oh zut. Cette pancarte qui nous a coûté 1000€. Mec, tu viens de me griffer le bras, enculé. Waouh. Ouf, la pression. Wow. Une claque dans les fesses. Ça, par contre, c'est un casque 500€, par contre, vraiment. J'ai l'air d'être dans la zone, je pense que je vais larguer ma caisse.